Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas posté, plus d'un mois que j'ai pas filmé, donc voilà, il va me falloir le temps de m'y remettre. Mais j'ai été malade et puis je dois vous avouer que j'avais plus vraiment trop le temps. Enfin soit, voilà, là j'ai re le temps car je suis en vacances, donc je suis très très contente. Alors aujourd'hui je reviens avec vous pour vous présenter un site. Un site sur, qui m'avait tapé dans l'œil pendant les grandes vacances, donc ça fait pas mal de temps. Et donc avec qui j'ai eu l'occasion de faire un partenariat. Et c'est le site SoCharm. Donc je vais vous montrer. Voilà le site. Donc de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc SoCharm, c'est un site qui vous propose des bijoux. Donc vous pouvez le voir comme ceci. Donc vous avez des bracelets où vous pouvez accrocher vos petits charmes. Il y a aussi des colliers. Et alors donc comme il est écrit là derrière, il y a plus de 1000 références. Donc franchement quand on m'a demandé de choisir, j'avoue que j'ai eu du mal. Parce qu'il y avait vraiment plein de beaux petits dessins, enfin des beaux petits bijoux plutôt. Il y a des nœuds, il y a des oiseaux, il y a des étoiles, il y a des lettres, il y a des cerises, enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Donc je vais vous montrer un peu celle qu'il y a là sur l'image. Donc vous voyez le yin et le yang, des trèfles, des cœurs. C'est trop trop beau. La fée clochette, etc. Voilà. Et donc j'ai reçu ça dans une enveloppe comme ceci avec du papier à bulles, donc vraiment bien protégé, ça je suis super contente. Alors voilà dans quoi se présente mon petit bracelet avec ce petit bijou, donc super beau pochon plutôt, enfin je sais pas, moi j'appelle ça... C'est super joli franchement. Et j'adore vraiment ce concept de pouvoir créer ces bijoux nous-mêmes parce que ça... Personnaliser ces bijoux, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai pas encore déballé. J'attendais... j'ai regardé mais j'ai pas encore ouvert quoi. Donc il y a le bracelet que j'ai choisi qui est comme ceci. Voilà. Alors je pense que... Il y a les références, donc je vais vous les montrer au cas où ça vous intéresserait. Alors, bon. Voilà, donc il est super joli. Comme ceci. Hop. Alors, donc, j'ai choisi 5 charmes. Tout d'abord j'ai pris celui-ci, donc c'est une chauve-souris. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'adore les chauves-souris ainsi que les chouettes et les hiboux. Donc j'ai vu ça sur le site, j'ai tout de suite craqué quoi. Donc c'est une chauve-souris avec une petite perle, voici la référence. Et donc... Donc je trouve ça vraiment super bien fait, c'est super beau, je veux dire, vous voyez, c'est pas mis n'importe comment, enfin je sais pas, j'adore vraiment ce site. Je dis pas ça parce qu'on me les a envoyés, loin de là, mais vraiment parce que j'adore. À mon avis, je vais d'abord vous les montrer tous et puis je les enlèverai. J'ai pris ceci, donc c'est une petite étoile filante. Voilà, alors la référence. J'ai pris un oiseau, forcément, avec un petit peu du vert dedans. Voilà, et voilà la référence. J'ai pris un trèfle à 4 feuilles, qui j'espère me portera chance quand je le porterai. Alors, celui-là, il n'y a pas de référence. Voilà. Et j'ai pris un petit nœud parce que vous savez à quel point j'aime les nœuds. Et voilà sa référence.
Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever de leur emballage et puis je reviens. Donc voilà, j'ai enlevé les petits bijoux et je les ai accrochés au bracelet. Donc vous voyez, c'est vraiment un principe très simple. Donc voilà. Et je trouve ça vraiment super joli. Bon, je les ai accrochés un peu, je referai ça plus tard, mais pour vous montrer. Je trouve ça vraiment trop beau de pouvoir personnaliser ces bracelets ou ces colliers. Waouh quoi. Surtout ce petit nœud, je vous dis, oh il est trop magnifique, j'adore trop. Voilà. Donc je vous mettrai bien entendu le site en barre d'infos. Alors je tiens à vous dire que les prix sont vraiment super abordables. Franchement j'ai halluciné. Donc si vous avez des cadeaux à faire ou quoi, je trouve que c'est pas mal parce que c'est original. Et que si vous connaissez bien la personne, vous pouvez lui faire un bracelet qui lui ressemble totalement. Un bracelet ou un collier, peu importe. Voilà. Et donc en plus vous avez vraiment beaucoup de choix. J'espère que cette petite revue vous aura plu, donc je remercie encore le site d'avoir fait ce partenariat-là avec moi, ça me fait très plaisir, j'espère que la vidéo vous aura plu, et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.